Voilà, le nom est juste en haut. À la fin de la visite, je vous envoie un document numérique avec tous les noms des artistes. Si vous voulez, vous n'avez pas besoin de noter. Parce que j'ai déjà fait des trucs, mais pas avec des explications techniques comme ça. Ah d'accord, ok. Parce que on garde là, c'est intéressant parce que ah, c'est le petit plus de mes visites. Alors, pour ce qui est graffito, c'est quelqu'un de la même génération que Misty qui est déjà venu dans ça. Technique du bouchoir, également. Et lui, en fait, utilise beaucoup d'éléments de la culture populaire, beaucoup de logos, beaucoup de marques. Il utilise des éléments aussi du consumérisme, de la société de consommation. Et sur cette fresque, en fait, on devine une certaine critique en fait, des multinationales et de la société de consommation. En voyant justement Pinocchio, qui représente Walt Disney, avec son nez qui s'allonge, en train de mentir. Donc là, bon, je vous laisse interpréter ce qu'il veut signifier par cela. Mais voilà, c'est son univers. Il utilise en fait beaucoup d'éléments visuels, commerciaux, qu'on connaît, qui font partie de notre vie tous les jours. Il y a aussi mieux de rien qui n'est pas assez. On va continuer par là.